you see. I like how you look at me. I like waking up with you. I like everything you do. We've been moving pretty fast, and honestly, I've been good with that. But if love's gonna happen. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis super contente de dire enfin cette phrase, que je suis enfin en capacité de refaire des vidéos, parce que pour les personnes qui n'auraient pas suivi, je suis tombée pas gravement malade, mais j'ai été assez malade. Ça a été quand même assez costaud, donc c'est pour ça que j'ai des petites égratignures au niveau des lèvres et que j'ai des lèvres un peu plus imposantes et disons en mauvais état en ce moment. N'hésitez surtout pas à aller voir l'une des vidéos précédente où j'explique tout. Donc là je suis à la maison toute seule avec Mimi. Mimi qui est devenue, mais vraiment, on l'appelle la vilaine, parce que elle nous a laissé 5 mois de paradis, 5 mois où on était vraiment aux anges. Mais à partir de ces 5 mois, elle a décidé vraiment de faire la loi en fait. Ça va la dictatrice, la méchante? Donc du coup j'étais avec cette petite terrible, hein, la petite Mimi, en train de travailler, en train de faire des petits colis du Power Slim. D'ailleurs en ce moment il y a une super promo. Normalement la promo elle devait être assez courte parce que ça se calait par rapport au fait que je fasse un nouveau programme, mais étant donné que j'ai été malade, j'ai pas pu commencer le nouveau programme que je vais commencer dans 2 semaines si je ne me trompe pas. Donc bah, le temps que je commence le programme, la promo est toujours en cours. Le Power Slim il revient à 22 euros au lieu de 29 euros, donc n'hésitez surtout pas, à commander également le nouveau programme qui est en promotion pendant la Diamond. De toute façon, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer tout ça, hein. Là du coup on va sortir un petit peu avec Mimi. Il est quelle heure? Il est presque midi. On a encore le temps, donc je vais prendre un petit peu soin de moi. J'ai mis Mimi dans sa poussette et puis on va aller dans la salle de bain. Désolée les filles, les travaux ils continuent toujours. Donc là je vais prendre un petit peu soin de moi avant de sortir. D'ailleurs je suis super contente parce que je me suis fait un petit peu plaisir. Hier j'étais à la Galeria, c'est un centre commercial en Martinique, et je suis passée chez Adopt. Je sais que les enfants adorent Adopt parce que leur tati utilise Adopt, les deux sœurs de mon ancien compagnon. Et donc étant donné que c'est un petit peu moins cher et surtout que c'est de meilleure qualité, en tout cas selon moi, que Victoria's Secret, j'ai décidé de passer là-bas. Victoria's Secret c'est bien, mais en fait c'est toute une image en fait. C'est quelque chose de super girly, super un petit peu, vous savez, à la Ariana Grande, et même cette youtubeuse américaine qui ressemble grandement à Ariana Grande. Enfin bref, je me suis acheté un petit coffret du coup de 4 eaux de parfum. La quatrième je la mets dans mon sac à main, en fait je la réserve pour mon sac à main et pour quand je me déplace. Du coup j'ai ces 3 là pour la maison, dont celle là qui me sert pour la nuit, c'est à dire que je m'en vaporise un petit peu avant d'aller dormir. Ça m'a, j'en ai pour 34 euros pour les 3. Pour 6 euros parce que c'était une fin de série, j'ai eu le droit à ça également. En fait c'est un petit beurre. Franchement les filles, ça rend la peau hyper douce et ça sent super bon. Mais vraiment Mimi, tu te rends compte, hein, Mimi elle a un truc à dire. Et ça reste en fait. Je l'ai mis pour la nuit et le lendemain je sentais encore bon. J'aime trop sentir bon. Mais c'est bon. Ça sent juste super bon, mais c'est pas trop fort. Je me suis acheté 2 baumes à lèvres comme ça, même si je pense à la pharmacie et en acheter un autre vraiment de qualité, parce que clairement, là, l'état de mes lèvres, c'est vraiment quelque chose. Hein. On dirait vraiment que j'ai fait du Botox, ça ne va pas du tout. Je me suis également acheté un savon en pain. Du coup, de la collection Musc Blanc. Je sais qu'en ce moment, avec tout ce qui est musc intime et tout, le musc c'est très à la mode. Ça sent super bon. Mon dieu, je me lavais avec ça tout à l'heure. Ça c'est pour le corps. Désinfectant pour les mains. Ok, que je vais mettre dans mon sac. Je me suis également acheté un gel douche.
me suis vraiment fait un petit peu plaisir à moindre prix, à moindre coût, parce que moi je prends souvent des fins de série ou des trucs qui sont en solde, ainsi que un nettoyant pour nettoyer la peau avec ça, me parfumer un petit peu avec tout ça, m'hydrater la peau avec ça pour me faire un petit peu jolie, hein Lily? Des chats trop belles. Donc on est une fille trop belle, faut être une maman trop belle aussi. Les filles, j'ai eu à peine le temps de me laver que la Mimi, elle a commencé à me crier dessus. Donc j'ai mis cette petite eau de parfum. Est-ce que c'est de l'eau de parfum? Il me semble que c'est de l'eau de parfum. Oui, c'est de l'eau de parfum, donc c'est assez concentré. Elle sent super bon. Et je vais vous montrer un petit peu ma tenue. Pour ma tenue avec bébé, ça donne ça. Un bébé koala qui ne veut pas quitter sa maman. Je vais essayer de la poser, essayer, je vous dis, parce qu'elle est vraiment devenue assez capricieuse, hein. Je vais essayer de la poser. Attends, bébé. Maman, tu poses 2 minutes. En plus, donc, quand c'est comme ça, c'est que Mimi, elle est fatiguée, donc je l'ai mis à dormir avec un bon petit biberon qu'elle a pratiquement fini. On va l'emporter étant donné qu'on sort. Moi de mon côté, j'ai mis une sorte de petit corset, mais étant donné en fait que c'est assez décolleté, on voit pas mal de chair au niveau de la poitrine, surtout qu'on m'a reproché ça pardon lors du dernier vlog. Ben, je vais mettre un petit gilet et je trouve que ça va faire beaucoup plus classe ou beaucoup plus correct en tout cas, parce que regardez la poitrine là, ça y va. Mais comme ça, même si je pense que j'aurais préféré ça avec un blazer. Bref, c'est parti, on sort avec... Et oui les filles, je suis plus à pied. C'est par ce biais du coup qu'on va sortir avec Mimi. Elle est juste derrière, elle est en train de faire une méga crise. Je suis super contente. J'ai eu ma voiture il y a quelques jours, il y a 6 jours. Oui, une semaine, jour pour jour du coup, par rapport au tournage de cette vidéo. Je suis juste super contente, super... En fait, je me sens... J'ai beaucoup de gratitude parce que ça a été vraiment très très difficile. Le fait de changer des enfants d'école, j'avais plus de moyens de locomotion, etc. Ça a vraiment été très très compliqué pour moi, très très compliqué pour le confort, notamment des enfants, moi, la fatigue. C'est pour ça que je ressemblais absolument à rien. Là, vous voyez, certes, j'ai pas de maquillage. Bon, j'ai des petits problèmes ici, ça c'est à cause des résidus de l'angine herpétique. Mais ça n'a rien à voir comparé à quelques semaines où j'étais extrêmement fatiguée. Et je suis super contente parce que, vous savez, quand j'ai eu mon permis, je me suis dit mon goal c'est d'avoir une Mini Cooper. Mais je savais qu'étant donné que je devais déménager d'ici, bref, semi-temporairement, que je n'aurais pas... je sais, j'avais les fonds mais j'avais pas pu assumer ce qui allait avec. Donc je me suis dit que j'allais peut-être prendre une Nissan et puis que j'allais évoluer, prendre une Suzuki Swift et après prendre une Mini Cooper. Et c'est ce qui s'est passé pratiquement ici parce que j'ai eu ma Nissan Micra et puis actuellement j'ai ma Suzuki Swift. Beaucoup plus spacieuse que la Nissan, mais vraiment. Et pourtant c'est pas un SUV, hein, vraiment pas. Il est beaucoup plus d'espace. Les enfants sont super contents. Je me rappelle qu'on est parti chercher Ariel à l'école. Elle était muette. Elle était juste muette. Et là, du début jusqu'à la fin du trajet. Après, je vais pas vous mentir que je ne pense pas que c'est une voiture que je vais garder longtemps, 1 année, 2 ans grand max. Donc là, les filles, on va aller déposer des colis du Power Sim avec Lily qui va un petit peu mieux parce qu'elle est en train de crier dans tous les sens. Et puis après, on va voir du coup le papa de Lily pour passer un moment avec lui. Et c'est parti. Thank you.
demande c'était qui. Elle m'a dit ouais, ceci. Je t'ai fait conduire, Vanessa. Arrête de mentir. Oui, mais au moins une fois la Suzy qui dit ton chute à like. On n'a pas vu Chrissé sur la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé, Chrissé? Il m'a parce que. La clim. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'étais plus sur la chaîne, Chrissé? Parce que là, j'étais. On n'était pas fâchés, mais. En fait, j'avais tellement de péripéties qui se sont passées, les filles, que je savais plus qui croire. Même Chris les m'a crié dessus, hein. La dernière fois, tu m'as donné mon traitement. La dernière fois qu'on était au terrain avec ta maman, hein? Et tu m'as dit, oui, mais comment ça tu dis tout le monde? Tu dis nanani. Non, mais c'est vrai. Et quand tu parles, des fois, tu... Des fois, peut-être que les gens ne te disent pas ça, mais t'as tendance à tout, à mélanger tout le monde. Généraliser. Voilà. Et c'est ouais, ce mais que, non, c'est ce mais non, c'est pas ça, les filles. Imagine un peu que, je sais pas. Je sais pas, vous avez un problème avec un groupe de personnes ou une communauté. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te protéger en généralisant, Chrisley. Et ben en fait, moi j'ai décidé que je me suis protégée. En fait, je suis restée que chez moi, je parlais à plus personne. Oui, mais ce que moi et je c'est Yolanda dit... qui m'a dit que ouais, tu l'as mal pris. Hein. C'est ce que. Oui, j'ai mal pris parce que tu dis vous. Parce que moi, à chaque fois, des fois, quand tu n'es pas bien. Moi, je suis là, je te donne des conseils, ceci, cela. Donc, par exemple, moi, j'ai un problème avec, par exemple, quelqu'un de ta commune. Et je dis, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes des merdes. Toi, tu te sens concerné. Non, pas dit ça. Non, je dis j'ai en supposant. J'ai dit en supposant que je dis, par exemple, ce quartier-là, c'est que des gens ceci, c'est que des gens cela. Non, mais tu vois, tu me craches sur les gens quand même. Mais on crache sur moi d'abord. Non, mais moi je crache pas sur toi. Oui, je... Donc moi je me sens concernée. Non, mais tu te sens concernée, Chrissé, mais tu comprends que je me protège. Oui, d'abord. Je comprends. Les filles, dites je qui comprends. Vous êtes. Je comprends, mais non. En fait, tu dis, voilà, tu as tel problème avec cette personne-là, mais c'est sous cette personne-là que tu craches. Mais tu craches pas sur tous les gens du quartier. Parce que moi, j'aurais eu un problème avec quelqu'un. Par exemple, tu es de, je sais pas, Abidjan. Et moi je me... Abidjan. Je sais pas. Et moi je... En fait moi j'ai dit que les gens de Abidjan ce sont des ceci, ce sont des cela, ce sont des patiti, des patita. Non mais Chrisley, avoue que c'était trop en fait. Oui, au bout d'un moment c'était trop. Franchement les filles, c'était trop. Voilà, donc j'ai décidé généraliser tout le monde. Mais quand t'es dans la souffrance, Chrisley, tu sais, les filles j'avais des ennemis de partout. Des fois que je connaissais moi, même. Je suis ton ennemi alors. Mais c'est pas ça, Chris. Les filles, je vous retrouve deux jours plus tard. On a la visite de maman. Je suis trop contente. Je vous la montre pas parce qu'elle est pas coiffée et tout. Elle a un petit boubou et tout. Elle a pris le contrôle de la maison. Je suis super contente. Comme vous savez, j'ai pas beaucoup d'interactions sociales, donc ça me fait du bien d'avoir ma maman et les enfants sont super contents. C'était pas du tout prévu. T'es contente que mamie soit là? Elle est hyper contente, Ariel. Mais tu parles trop, t'es trop petite. Donc je suis en train de vous dire les filles que là je vais aller nettoyer ma voiture tout à l'heure. Dans un petit moment je vais déposer Christian quelque part. Et après je vais nettoyer ma voiture, je vais faire des petites emplettes. Parce que hors de question que ma voiture soit un petit peu bizarre. Je veux qu'elle soit vraiment en fait nettoyée au top. Mais encore une fois, soit il faut acheter un aspirateur. Ou soit en fait il faut... disons créer un budget pour aller comment on appelle ça, le car wash. Et du coup ma chérie t'es trop belle, on se ressemble un peu ou quoi? Et j'ai ramené un nouveau t-shirt ici. Non, c'est mamie qui t'a ramené un nouveau t-shirt, c'est trop beau. Tati Nathalie. Et donc du coup Joshua lui il a reçu entre autres des baskets. Attendez les abonnés. J'espère qu'il va les soigner parce que vous savez, à cet âge-là, que ça soit Joshua ou les autres, ou même moi, on mange les baskets. Et là, je pense que Ariel va vous montrer ses chaussures. Ariel, tu veux montrer tes chaussures? Oui, Ariel, elle a reçu des belles petites chaussures de Tati Nathalie. Et de mamie aussi. Mais je vous... j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Maman m'a ramené du matériel pour le travail, etc. Du matériel qui s'était cassé, du maquillage de ses actions, etc., etc. Tout un tas de trucs. Oui, elle a eu d'autres chaussures encore. Oui. tout un tas de choses. Mais là, je vais devoir sortir. Les filles, j'ai fini avec Chrisley. Je vous ai pas filmé. Étant donné qu'on prenait pas mal de gossip ensemble et que je l'avais déjà vu, du coup, il y a deux jours, là, j'ai remis du labello.
et j'ai acheté des médicaments parce que cette histoire d'angine herpétique, franchement, ça a été très très compliqué à gérer. Moi, j'ai dû prendre des antibiotiques et c'est vrai que j'ai une petite fragilité à chaque fois que je prends des antibiotiques, mycose et enfin. Et là, c'est vrai que j'étais tellement malade que j'ai oublié de demander les ovules. Et donc, du coup, mycose. Et je me suis grattée, catastrophe. Donc, du coup, j'ai dû m'acheter des petits médicaments, un petit savon intime avec une petite crème pour les mycoses. Et ça règle tout ce qui est également blessure. Parce que quand on se gratte, après, on a des petites blessures. Et ça, c'est pour régler de l'intérieur, en fait. Donc là, les filles, je vais quand même nettoyer ma voiture parce que hors de question qu'elle finisse comme la dernière, cette voiture. Donc je vais tout nettoyer là. J'ai passé un coup d'aspirateur. On est au Robert. En fait, on est là où on lave les voitures tout simplement. Après, c'est vrai que vous me voyez, il est encore tôt, hein. Il est à peine 16h. C'est vrai que vous me voyez un petit peu dans le noir parce que ma voiture, elle est vite reteintée, mais vraiment de partout. Là, derrière la législation globale, c'est interdit d'être teinté comme ça. Mais vraiment, 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 vous risquez en fait un retrait de 3 points sur votre permis. Mais il faut savoir que j'habite... Non, je vais laver. Je vais laver, ok. J'ai tenté de vous dire du coup que... qu'est-ce que je voulais dire? Aïe, bonjour. J'étais en train de vous dire que si vous mettez votre voiture comme ça, vous risquez un retrait de 3 points sur votre permis en règle générale. Mais moi, j'habite aux Antilles, en Martinique. Donc, je pense que Martinique, Guadeloupe, Guyane, ça doit être la même chose étant donné qu'il fait super chaud. Notamment pour protéger les enfants du soleil et même les passagers du soleil. Ils te disent pas grand-chose. Ma voiture. D'ailleurs, j'ai acheté des effets pour nettoyer ma voiture. Je vais vous montrer ça. J'ai même acheté un nouveau volant pour vous dire. Je vais vous montrer tout ça. J'ai acheté ça hier à Centre-Accord. Je garde bien les clés avec moi parce que... Donc c'est un petit peu en bazar, hein? Mais bon, un bazar contrôlé. Hier j'étais à Centre-Accord et j'ai acheté ce petit là en fait pour nettoyer la voiture. C'est un dégraissant universel. Une petite lavette violette comme ça en microfibre, d'autres lavettes plus ou moins simples et un petit parfum d'ambiance, et ça sera le parfum d'ambiance de ma voiture. Je vais déjà commencer à en mettre et je me suis acheté un nouveau protège-volant parce que j'ai un protège-volant, en fait je vais vous montrer. J'ai ce protège-volant qui est un petit peu abîmé et que l'on va enlever d'ailleurs. Et les filles, je vous assure, je ne sais pas quelles sont les recommandations par rapport à ça. Je regarderai sur internet au moment du montage, mais clairement pour moi c'est un game changer de conduire avec un protège-volant. Et donc du coup c'est celui-là qui était en place sur la voiture et j'ai acheté celui-là. Et c'est bon au niveau du volant, au niveau de la taille du volant, je trouve qu'il est beaucoup plus joli. C'est vrai que les strass c'est pas mal, c'est joli, c'est sympa. Quand j'irai en France, je pense que je me rachèterai un volant en strass avec ma nouvelle voiture et ça sera une... du coup une Mini Cooper. La prochaine, comme vous le savez, on dit ce que l'on veut et on dit ce qui va se passer. Du coup, cependant, ici il fait tellement chaud, vous savez que à part si je garais ma voiture dans un endroit où il y avait de l'ombre, du coup en fait ce qui se passait c'est que les strass étaient super chauds, hyper brûlants. Et c'était très compliqué pour moi de conduire après. Donc c'est vrai que c'était super joli, super sympa. D'ailleurs, mon voiture était connue pour ça, avoir ce petit truc en strass. Cependant, ça peut être assez compliqué pour la conduite juste après. Donc du coup, là, les filles, je vais commencer à nettoyer.